Je suis retourné à Rockmore en 1939. Ah oui? Avez-vous trouvé bien du progrès? Oh, c'est tout simplement incroyable. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs, si je vous ai invité, ce n'est pas pour que vous fermiez les yeux. C'est incroyable, comme vous le dites. Une église qui fait figure de cathédrale. Apprenez que des pèlerins commencent à venir de toute l'Abitibi et vénérer la Bonne Sainte-Anne, patronne de la paroisse et de tout le Canada. Qu'une si coquette paroisse se taille un domaine de cette étendue dans le bois épais, avec comme seule ressource des bras vaillants et l'aide des corps publics, moi je dis que cela tient du miracle. Un autre de ces miracles de survivance canadienne-française. Voilà un champ de trèfle capable de rendre jaloux les cultivateurs de nos anciennes paroisses. Et remarquez bien que le trèfle a déjà été coupé une fois. Vous parlez d'une deuxième pousse. Et quand on songe que le trèfle rouge est le grand indice de la fertilité du sol et le gage de la conservation de sa richesse. Il y en a jusque le long des clôtures, et pas un brin de mauvaise herbe. Ce serait une merveille de rencontrer ça sur nos vieilles terres. Le trèfle blanc, sauvage, vient comme un charme en Abitibi. Il fournira d'excellents pâturages. Regardez donc la belle avoine. Les tiges sont à hauteur d'homme. Voilà un spécimen du blé qu'on peut obtenir en Abitibi. Il n'y a rien de plus intéressant que de surveiller l'arrivée des gens à l'église le dimanche matin. On y retrouve toute la paroisse en raccourci. L'apparence des gens est comme le thermomètre de l'aisance générale. On n'a pas peur des enfants par ici. Ces fruits-là ne sont pas piqués des vers non plus. Tenez, les maîtresses d'école. Elles ont l'air pimpantes. Voici le curé, je crois. Précisément. L'abbé Émile Couture est un pasteur zélé, un organisateur adroit, dont l'autorité est respectée de tous. 1100 âmes vivent à l'ombre de ce clocher. 1100 âmes déjà, après 5 ans seulement? La place de l'église, c'est le grand forum du village. Toutes les nouvelles s'y transmettent, toutes les discussions s'y soutiennent, et bien des marchés s'y amorcent. C'est souvent aussi la chaire numéro 2, celle en dehors du temple. Juste. Tenez, aujourd'hui, c'est le secrétaire de la Société diocésaine de colonisation qui est venu revoir son monde. C'est lui, l'abbé Jean, qui parle en ce moment. Monseigneur Boulet et lui sont restés les deux grands pourvoyeurs, les deux vrais amis du canton. Voilà des nouveaux mariés, n'est-ce pas? Qui vous le dit? Bien, ce sont les seuls couples que je vois sans enfants. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant, il me semble que le dimanche doit leur paraître long. Erreur. Vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congés. Ensuite, aller à la grand-messe proprement vêtue, rencontrer les connaissances, c'est une fête pour eux. Et puis vous allez voir. Voir une partie de balle au camp dans le trèfle à hauteur du genou, c'est du jamais vu. Avouez tout de même que ça ne manque pas d'esprit sportif. Thank you.
reconnais que ce garçon-là est un athlète intéressant. Et bien dans la tradition de nos hommes forts. Tant que les Canadiens français auront du cœur et des muscles, on les respectera. Dire qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien que des arbres ou des souches dans ce rang-ci. Ouvrir une paroisse avec des rangs de cette longueur, des terres de cette étendue et si peu de moyens à sa disposition, quelle entreprise de géant! Vous pouvez dire que les premiers troncs d'arbres sont tombés sous les coups d'un courage parfaitement sublime. Je partage votre avis. Si loin des parents, en pleine zone sauvage, le défricheur est un brave. Aussi bien ce que le colon d'hier contemple aujourd'hui, le remplit d'une juste fierté que nous apprécions mal, nous qui n'avons pas pris la hache avec lui. Et ce n'est que le commencement. Le défrichage se continue dans le bout des champs. Pas fini de faire de la bâtie et de voir la lueur des grands feux dans la nuit. Je ne pourrai jamais regarder cette belle ferme sans me rappeler le visage d'un agronome barbouillé, arrachant des souches avec son bœuf. Ce que cet agronome a réalisé de ses bras depuis 1934, vous pouvez en juger, ça se passe de commentaires. Mais Monsieur la Liberté a mieux encore. Il élève un héritier. Il lui faut quelqu'un à qui léguer ce beau bien. Un poulailler abritant 1000 pondeuses, ça ne se voit pas à chaque tournant de la route. En 1940, 14 colons s'engageaient par contrat à se bâtir en commun, chacun une belle grange. Voyant ce succès, l'année suivante, 27 autres colons suivaient cet exemple. Ça fait 41 nouvelles granges en moins de 2 ans. La plupart des paysans ont de 2 à 4 vaches. Et qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Un camion passe dans le rang et transporte la crème à la beurrerie de la Sarre, en attendant la beurrerie de Roquemort prochainement. Le syndicat coopératif est le magasin principal du village, je suppose. Précisément, c'est un pionnier de la première heure. Et ce qu'il a grandi depuis 1934. La garde malade soigne bien son parterre. Elle jouit maintenant d'un confort bien mérité. Ça, c'est l'ancienne école qui a été transformée en salle paroissiale. L'organisation est joliment complète. Maintenant que leurs rêves se concrétisent, les colons constatent que non seulement leur entreprise a réussi, mais que leur exploitation va leur apporter enfin la prospérité. D'ailleurs, ce ne sont plus des colons, mais bien des cultivateurs. Parfaitement. À propos, il y a des vitamines de toute catégorie et pour tout le monde dans ces potagers. Et pas en boîte, ni en pilule, ni en sirop, hein?
blé est mûr, c'est le temps de le moissonner. La chanson des blés d'or est commencée. Savez-vous que c'est la première fois que je vois couper le blé à la petite faux? Vous allez voir ici bien d'autres méthodes primitives d'un charme quasi éternel. En regardant ces paysans, je pense que l'âge de la machine nous a fait perdre la notion de bien des choses essentielles. Les ancêtres, voyez-vous, avaient le respect du blé, de quoi sont faits le pain et l'hostie. C'est dans cette pensée qu'avec le couteau, ils faisaient un signe de croix sur le pain avant de le trancher. Aussi, dans le bon vieux temps, c'est à la faucille qu'on cueillait les épis lourds. Je vous dirais même qu'on traitait de gaspilleurs ceux qui se servaient de la petite faux. Scène émouvante, vraiment, que de voir cette femme cueillir précieusement les épis à la poignée, comme si elle les comptait. L'engerbage à la manière d'autrefois. Les gerbes sont liées avec des hares de coudre, coupées d'avance et soigneusement tordues pour les assouplir. Ajoute une poignée de blé pour que le lien soit plus solide. La moissonneuse lieuse va plus vite. Il paraît qu'il faut faire vite partout aujourd'hui. Mais la poésie des champs en est diminuée. Le progrès, avec tout son cortège de nouvelles misères, vient toujours assez vite, il me semble. Qu'il en soit, le petit chat ne s'en fait pas, hein? Il a l'air de dire à son ennemi héréditaire, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Ça a été le mot d'ordre des pionniers. Ces scènes campagnardes sont reposantes, n'est-ce pas? C'est grâce au sous-ministre de la colonisation, si les cultivateurs peuvent promener cette batteuse mécanique sur leurs terres aujourd'hui et ménager un peu leurs bras. Maintenant qu'on est assuré de sa subsistance, on se préoccupe davantage de l'embellissement des propriétés. Ça manque peut-être un peu de goût ici et là, mais les fleurs sont toujours belles et sentent toujours bon quand même. Attendez, le sens esthétique viendra avec le reste. Reconnaissez-vous le petit camp où fut dite la première messe? Relique précieuse des temps héroïques, quoi. Et la souche qui servit de chair.
Le premier presbytère chapelle est gentiment décoré, n'est-ce pas? Voilà une girouette symbolique qui ne manque pas d'ingéniosité. Comme il se devait, le presbytère a donné l'exemple en décorant ses abords mieux que les autres. Le curé peut se vanter d'avoir un beau parterre. Dépensé. Tenez, du pourpier. On dirait que les teintes en sont plus jolies ici dans le nord. De beaux flocs qui sentent si bon. En 1940, le cardinal Villeneuve a honoré Roquemaure de sa visite. L'éclat de la réception ne fut pas sans causer une agréable surprise à son éminence, qui était parfaitement au courant des difficultés auxquelles on a fait face et qui admira sans réserve une croissance aussi rapide. Monseigneur Boulet était dans le cortège. La satisfaction générale le récompensait visiblement. De l'église repartit, la foule, forte de ses conseils et de ses bénédictions, reprit la route du rang plus joyeuse et plus sûre de l'avenir. Dès 1882, un prêtre colonisateur, l'abbé Prou, disait « Le Nord, voilà le champ ouvert à l'activité des Canadiens français. Eux seuls aimeront à y vivre. Le Nord sera le domaine, la force de notre nationalité. » Après bien d'autres, le fait historique de Roquemaure confirme la vérité de cette prophétie. Le premier missionnaire colonisateur de l'Abitibi, l'abbé Ivano Caron, a écrit de son côté « L'histoire conservera vos noms, vaillants défricheurs. » Paroissiens de Sainte-Anne de Roquemaure, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur.